Cet après-midi, au parc des Argoulets, c'était chasse aux œufs solidaire. Et cela fait 22 ans que le Secours populaire organise dans toute la France l'opération dans le cadre de ses actions dans le monde. Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à ces quelques 200 enfants la solidarité, le partage et les droits de l'enfant ici et dans le monde. À raison de 2 euros le permis de chasse, le Secours populaire espère récolter... De pas loin de 1000 euros, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Comme vous savez que pour ne serait-ce construire un puits en Afrique, c'est aux alentours de 400-500 euros. Donc voilà, une après-midi comme ça pourra peut-être permettre de financer deux puits en Afrique pour une maternité ou pour une école. Pour les enfants, il s'agit de trouver 3 œufs pour obtenir une surprise. Et chacun sa technique, plus ou moins aléatoire d'ailleurs. Je cherche derrière les arbres parce que j'en ai vu plein derrière les arbres. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les œufs, moi je regarde. Et après je regarde partout. Et après si j'ai trouvé 9, je le prends. Pour autant, face à du chocolat, le message de solidarité n'est pas forcément l'objet du jour. On fait la chasse aux œufs. Pour quelle raison? Tu sais à quoi ça sert? Pour les manger. Pour me régaler. Chaque année, ce sont toutes les antennes du Secours populaire qui se mobilisent pour organiser l'événement et faire que la fête soit réussie. On habite à Castanet et donc il y a le Secours populaire qui est situé là-bas. Et donc on nous en a parlé et puis on soutient par des dons, par... l'action de bénévolat, tout ça, donc on est très très, en tout cas, actifs par rapport à ça. C'était l'occasion de se retrouver en famille et puis avec toutes les associations. Leur grand-mère est active dans l'association au niveau de l'antenne de l'Union, donc c'est elle qui nous a proposé de venir participer à la chasse aux œufs avec nos enfants. Verdict de cette journée, des paniers pleins, beaucoup de rire, et puis parfois, quand on s'y attend le moins, une vérité. Pourquoi tu veux aider les autres enfants? Parce que aussi, il faudrait qu'ils trouvent des œufs.